Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Manuela Marquis, connectée depuis la France et plus précisément de Paris. Et nous avons également Jimena Andino Dorato, connectée du Québec et plus précisément de Montréal. Manuela et Jimena vont nous présenter la compétence interculturelle au service du coaching. Bonsoir Manuela et bonsoir Jimena. Bonsoir Yotis. Bonsoir Yotis, bonsoir tout le monde. Bonjour Rafi. Alors oui, pour les Québécois. Alors Manuela et Jimena, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous pour ce webinaire? Écoute Yotis, ravi d'être là, ravi d'être auprès des Synergiens aujourd'hui. Chaud au cœur de partager un sujet qui est très proche de moi. Donc, très envie d'être avec vous. Moi, je suis un peu une montagne russe d'émotions. Je suis super contente d'être ici. En même temps, un tout petit peu nerveuse, mais un tout ravie d'être ici avec Manuela et avec tout le monde de l'autre côté pour partager ce moment. Alors merci, j'aimerais vous féliciter d'ailleurs. Nous n'avons jamais reçu autant de vidéos filmées d'endroits aussi différents pour un exercice pré-webinaire. Bravo et merci encore pour ce beau travail. Alors commençons par Manuela Marquis. Riche de 15 années d'expérience en développement humain en tant que responsable formation et développement, Manuela, je le sais, tu es passionnée par les relations humaines et l'international. Consultante, formatrice et coach certifiée PCC de l'ICF, ton expérience s'appuie également sur un parcours de 15 ans dans l'hôtellerie de luxe et l'événementiel en Allemagne, en Angleterre, en France et au Luxembourg. Avec une maîtrise en sciences humaines et sociales, un master en business coaching, un certificat en management interculturel, Manuela, tu t'es spécialisée dans la création d'un programme et ingénierie de formation interculturelle pour les entreprises et pour les coachs. Aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises internationales dans leurs évolutions, leurs salariés, à l'expatriation ainsi qu'à l'impatriation et tu construis des ponts pour faciliter la compréhension au sein des équipes et ainsi libérer leur potentiel et développer leurs talents. Avec un esprit ouvert, positif et tourné vers le résultat, tes coachés apprécient ton sens de l'écoute, ton ouverture, ta douce fermeté et ton style créatif et ludique. Et je n'oublie pas d'informer que tu es de nationalité allemande et aussi française. Autour de Jimena Andino Dorato. Alors Jimena, c'est en tant qu'avocate que tu commences ta carrière et tu as gardé de tes débuts un esprit critique qui surprend souvent. Tu as également exercé en tant que médiatrice, ce qui a marqué le début de ta posture de coach et de ton écoute empathique. Diplômée d'une maîtrise en droit des affaires, Jimena, tu as publié plusieurs articles dans des revues à comité de lecture et rédigé des chapitres dans des ouvrages collectifs. Cette étape de recherche marque la naissance de ta passion pour l'interculturel et ton engagement à créer des ponts entre différentes disciplines. Coach PCC de l'ICF et passionné par l'enseignement et l'apprentissage, tu as conçu, enseigné et animé des programmes de formation dans plusieurs milieux académiques, en entreprise et en école de coaching. Aujourd'hui, tu t'emploies à établir des passerelles entre le coaching et l'interculturel. Tu prônes une vision élargie de l'interculturel avec un engagement de plus en plus profond en faveur de la diversité, l'équité et l'inclusion. Tu partages ton temps professionnel entre le coaching de leaders juniors et seniors, de personnes travaillant à l'international et de personnes soucieuses ou en besoin d'inclusion et d'appartenance, la conception de programmes et outils de formation
le travail bénévole dans des associations de coaching interculturel et d'accompagnement des personnes migrantes, racisées ou LGBTQ+. Et enfin, la co-rédaction d'un ouvrage, l'intelligence interculturelle au service du coaching. Et je n'oublie pas d'informer aussi que tu as vécu et travaillé dans 4 pays et en 4 langues différentes, donc d'origine argentine et canadienne d'adoption. Tu as aussi une partie de ton cœur au Brésil et en France. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous deux, une question inhabituelle, rien que pour vous deux. Je sais que vous êtes assez proches donc l'une de l'autre et voici ma question. Manuela, qu'est-ce que Jimena ne sait pas de toi? Et Jimena, qu'est-ce que Manuela ne connaît pas de toi? Écoute, Yotis, quelle drôle de question. Écoute, je pense, Rémina, elle ne sait pas encore que j'ai, en fait, ma famille la plus large, en fait, elle se trouve en Australie, pourtant allemande, en France, mais non, la famille, elle est en Australie pour moi. Et pour toi, Rémina? Pour moi, c'est, je pense que tu ne sais pas que quand j'étais ado et je faisais de l'équitation, je le faisais dans une école, tout le monde parlait l'allemand, je ne parlais pas l'allemand. Donc, j'avais besoin de comprendre. Donc, j'ai décidé à 12 ans que c'était le moment d'apprendre l'allemand. Donc, malheureusement, je ne parle pas beaucoup maintenant, mais c'était mes débuts avec l'allemand. Manuela connaît l'allemand. Ben voilà, c'est une nouvelle occasion d'apprendre. Hein. Donc, alors, merci Manuela, merci Jimena. Je vous invite à commencer votre présentation. Et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement, comme d'habitude. Très bien, merci Yotis. Oui, nous sommes auprès de vous, car notre intention est de créer des ponts entre l'interculturalité et le coaching. Nous proposons de partager avec vous comment une promenade du monde de l'interculturel vers le coaching peut enrichir ce dernier. Voyons voir ce que nous avons prévu pour vous. Donc, tout d'abord, nous allons plonger dans quelques définitions pour s'aligner. Et ensuite, nous allons parler de la compétence interculturelle. On regardera la définition, en tout cas, telle qu'on la définit. Et surtout, on va parler et vous partager notre outil Intersensus sur la base du modèle DMIS. Avant tout, nous allons partager avec vous vos réponses, parce que vous avez participé à l'exercice que nous avons partagé préalable sur la question « Qu'est-ce qui vous évoque le mot l'interculturalité ?» Donc là, vous trouvez effectivement le mot que vous avez choisi avec nous. Voilà, merci en tout cas pour tous vos commentaires. Et avant de rentrer dans le partage de notre compréhension de ce mot, je vous propose de déjà clarifier quelques autres mots préalables. La première définition qu'on aimerait partager avec vous, c'est le mot « culture ». La vision du monde que partage un groupe d'individus en lien avec le contexte dans lequel ils évoluent. C'est Milton Bennett par Basic Concepts of Intercultural Communication qu'il a écrit en 2013, effectivement, où ça pourrait être un système d'adhérence, d'empreinte de Michael Sesoke. Ce serait en quelque sorte ce ciment qui donne à un individu le sentiment d'apparence, d'appartenir à, appartenir à tel ou tel groupe en fait. Hofstede définissait ça le logiciel de l'esprit, la programmation collective de l'esprit qui distingue les membres d'un groupe ou d'une catégorie de personnes d'une autre catégorie. Ainsi, la définition de culture dépasse largement le cadre de cultures nationales, en fait. En effet, cette vision du monde ne renvoie pas exclusivement à des cultures pays, loin de là, mais de manière plus large à la diversité, quelle que soit la forme qu'elle prend. Deux mots autres sont importants à définir pour aller plus loin. Alors,
Voyons voir. Alors, à partir de ce mot culture, culture peut être modifié par certains préfixes avant le mot culture. Et on voulait juste partager avec Manuela une petite différence entre multiculturel et interculturel. C'est notre vision et c'est la manière qu'on va s'exprimer aujourd'hui pendant le webinaire. Ça ne veut pas dire qu'on propose ça comme un accord complet dans la littérature. Il y a des différentes visions, mais notre position, c'est multiculturel. C'est un fait. C'est comme si on prenait une photographie d'une certaine situation ou d'un certain groupe et on disait c'est multiculturel parce que justement il y a différentes cultures, mais ça bouge pas, c'est une photo. De l'autre côté, l'interculturel, c'est comme un film. Il y a du mouvement, il y a de l'interaction, il y a des échanges, il y a des choses qui bougent. Et ça, c'est l'interculturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire interculturel plus précisément pour nous après avoir cette distinction? Interculturel vient de la combinaison des deux mots. Et ces deux mots étant entre et culture. Entre, qui vient comme entre, c'est justement cette idée de mouvement, d'aller un peu de ici à là, de bouger. Et ce n'est pas entre comme un point fixe. On ne parle pas de quelque chose qui est fixe. Toujours cette idée de mouvement, de on se promène, on échange. Et c'est ça justement, on échange entre différentes cultures, de cette vision du monde, ce logiciel de l'esprit que Manuela vient de dire. Et ces cultures, cet échange, c'est entre cultures, est un échange qui n'est pas hiérarchique. Donc toutes les cultures sont dans cette situation d'égalité, toutes les cultures, de nouveau, pas juste culture nationale, toute cette vision du monde sont à nouveau d'égalité, et systémique, dans un échange créatif qui vise à nous enrichir, à nous permettre de nous transformer dans cet échange, tout en gardant nos valeurs, tout en gardant notre propre identité au pluriel. Donc, ça, c'est vraiment la définition qu'on voulait partager. Et pour continuer cette conversation sur l'interculturel, on a préparé un premier sondage. Pour ce premier sondage, on voulait vous poser une question. La dernière fois que vous ne vous êtes pas senti en mesure d'accompagner quelqu'un, c'était selon vous en raison de sa personnalité, son âge, sa génération, son genre, son orientation sexuelle, sa nationalité, son groupe ethnique, sa profession. C'est vraiment juste pour continuer cette conversation et voir qu'est-ce que vous nous répondez. Yotis, es-tu là? Oui, je lance donc le sondage. La dernière fois que vous ne vous êtes pas senti en mesure d'accompagner quelqu'un, c'était selon vous en raison de sa personnalité, son âge, sa génération, son genre, son orientation sexuelle, sa nationalité, son groupe ethnique, sa profession. Vous êtes déjà presque à 60% à avoir répondu et il y a clairement une réponse qui se dégage et de loin. Alors, une petite idée, Manuela ou Jimena? On est très curieuse. Alors, voici donc les résultats. Avec 79%, c'est sa personnalité, 8% sa profession, 6% son âge, sa génération, sa nationalité, son groupe ethnique et 1% son genre, son orientation sexuelle. Intéressant ce sujet, ce résultat en tout cas. Merci Yotis. Pour parler des heures sur la personnalité, effectivement, des différentes préférences, de comportements que chaque personne peut avoir par exemple des styles DISC ou MBTI. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Ce que nous voulions souligner surtout avec ce sondage est dans combien d'aspects différents on peut observer l'influence de la culture. Encore, nous faisons référence à la manière que nous sommes socialisés par notre appartenance à différents groupes. Et les 4 points après la personnalité qui pourront être très bien 8, 10, si l'espace de sondage nous l'aurait permis, nous montre différents groupes possibles d'appartenance, effectivement. Donc, vous voyez, tous les points peuvent être cochés. En tout cas, merci pour ce sondage. Du coup, comment définissons-nous la compétence interculturelle? Voyons voir un peu les choses. Quand nous parlons de la compétence interculturelle, telle que nous l'avons définie, nous parlons de, par exemple, savoir-faire,
Qu'est-ce que c'est le savoir-faire? Ce sont toutes les pratiques dans l'interculturel, de savoir analyser le comportement des autres, savoir aller vers l'autre, savoir s'adapter. Également, tout ce qui est le savoir, donc les modèles culturels, les dimensions, les concepts pour connaître et interpréter une autre culture. Ça peut être les savoir-être avec les attitudes, donc ça peut être la curiosité, s'intéresser, l'ouverture, relationnelle, la tolérance, empathie, non-jugement, être factuel. Tout dans un contexte qui bouge, hein, qui est toujours différent. Chaque situation est différente, chaque moment est différent. Donc la compétence interculturelle telle qu'on la voit. En faisant deux points très spécifiques de regard en profondeur. C'est tout d'abord les dimensions culturelles et la conscience de soi. Ici en orange, qu'on a identifié, c'est les deux éléments qu'on aimerait aller un peu en profondeur avec vous. Alors, les dimensions culturelles, là, vous avez plusieurs anthropologues, sociologues, psychologues, vous le voyez ici. Ils ont cherché à définir les dimensions culturelles afin de rendre les différentes cultures comparables quelque part. Donc, ils ont étudié la relation avec les uns et les autres, ils ont fait des recherches, ils ont identifié les différences culturelles sur le comportement en société, au travail, en relation avec les autres. Il y a par exemple le COF, le tableau des orientations culturelles de Philippe Ouzensky, qui est défini. Il y a plusieurs dimensions culturelles, hein. La liste elle est longue. Il y a est-ce que je prends ma décision individuelle en individuel ou plutôt en collectif, en groupe? Est-ce que j'applique une règle, même règle pour tous, ou je tiens compte de la situation? Donc, est-ce que c'est universel ou est-ce que c'est particulier? Est-ce que le temps est rare ou est-ce que le temps est abondant? Est-ce que je mets l'accent sur le passé ou le présent ou le futur? Est-ce que la communication est directe ou indirecte, explicite, implicite? Il y a plein de différences culturelles. On pourrait parler, je pense, des heures, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'aimerais approfondir avec vous un autre élément qui est justement comment comprendre comment la culture influence les adhérences culturelles, en fait, qui devient justement notre cadre de référence en temps. Donc, c'est la métaphore d'un oignon que voilà, vous voyez ici avec les différentes couches en termes de culturel qui façonnent en fait les uns et les autres d'une certaine manière. C'est quelque part notre cadre de référence, hein, la famille, l'étude, l'association, tous les différents groupes. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qui nous a façonné d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on a été transmis par la famille? Quelles sont nos valeurs qui proviennent de profession ou d'une entreprise? Edgar Schein, il disait, c'est la façon dont nous faisons les choses ici. Donc, comme les entreprises, voilà, on se fait façonner d'une certaine manière à chaque fois. On peut se poser la question, quelles sont les racines de tel ou tel comportement, autant ça. Et maintenant, quels sont les liens donc entre la culture dont on parle ici et son cadre de référence et le coaching? Alors, c'est un peu ça ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, de dire, OK, et si on pensait qu'il y a deux choses dans ma relation de coaching qui, dont l'aspect culturel, l'aspect interculturel de nos relations a un lien à jouer. Donc, ce que nous proposons, c'est, on voit dans le référentiel de 8 compétences ICER quelques mots clés dans les descriptifs de compétences, par exemple la compétence 2, 4, 6, 7, des mots comme contexte, culture, identité, de nouveaux contextes, environnement, valeur. Adapter son coaching en conséquence, de nouveaux contextes, identité, valeurs, sa façon de penser, ses valeurs. Tout ça, c'est des notions très, très chères aux interculturalistes. Vous avez vu la galerie de photos qu'Emmanuel a montrée. Donc, il y a beaucoup d'études de sociologues, d'anthropologues, d'interculturalistes qui se penchent sur ces questions-là, de comment on l'aborde sur nous-mêmes,
Donc, c'est le côté connaissance de soi, le côté réflexivité. Nous, en tant que coach, qu'est-ce que ma culture, mes cultures au pluriel, a une influence de comment je me présente dans ma séance de coaching et comment mon coach va se présenter. Donc, on a 4 compétences sur 8. Et c'est pas que, parce qu'on a aussi la première compétence qu'on trouve que c'est aussi très, très pertinente. De dire la compétence première qui parle de faire preuve d'éthique, d'assertivité, aussi parle d'identité, parle des valeurs, d'expérience, etc. Mais de nouveau, là, il y a une question éthique à tenir compte dans cette première compétence de prendre compte de ma propre identité, de l'identité de mon coach. Et cela se reflète aussi dans le code de déontologie. Et pour le code de déontologie, on a préparé quelques articles du code qu'on trouve que c'est intéressant d'explorer dans cette recherche de l'interculturel dans nos relations de coaching à partir de déclarations interprétatives du code de déontologie. Et je le dis tout de suite, ça c'est notre traduction, je les ai trouvées que en anglais. Je suis très preneuse. S'il y a des traductions officielles vers le français de interpretative statements, on est très preneuse de les avoir. J'ai vu des traductions ici-là, mais rien d'officiel d'aucun chapitre francophone pour moi. Donc là, de nouveau, c'est l'article 2. Quand on parle du contrat, oui, le contrat écrit, il est encouragé s'il est culturellement approprié. Donc, on va savoir s'il est culturellement approprié ou pas. Ça, c'est un peu la question qu'on veut, on veut ouvrir cette discussion. Article 11, la conscience des différences de pouvoir interpersonnel entre coach et coaché. La question de la hiérarchie, une des dimensions interculturelles les plus travaillées dans le monde interculturel. 15, de nouveau, la question de l'écrit par rapport à l'oral. Point 3, rechercher des informations sur les nuances culturelles qui sous-tendent les interactions interpersonnelles. On a un devoir en tant que coach de savoir de la culture de notre coaché. Et l'article 16, ça c'est, s'il y a quelque chose à retenir pour moi, c'est ça, c'est prendre conscience de nos propres préjugés. Et nos propres préjugés, nos propres biais sont en lien avec nos propres adhérences culturelles. C'est connaître ses privilèges, connaître ses situations de marginalisation. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui nous apprend tant le référentiel des compétences que le code de déontologie. Et alors, notre question avec Manila, c'est comment booster justement cette connaissance de soi, cette conscience, justement pour faire honneur aux compétences et au code de déontologie. Notre proposition, ça vient de l'interculturel comme une proposition de plus. Dans l'interculturel, on est dans le « et », pas dans le « ou ». On n'est pas en train de dire « ah, remplacez quelque chose que vous faites déjà ». Allez-y, continuez. On veut juste vous proposer une lecture possible, quelque chose de plus pour booster ce travail. Eh oui, avec une autre métaphore, c'est une métaphore de l'iceberg. Donc, comme vous voyez, les icebergs se choquent sous la surface de l'eau. Le modèle culturel de l'iceberg s'inspire des icebergs qu'on trouve, bien sûr, dans les mers polaires. Vous voyez, tout ce qui est visible, c'est à peu près 10%, 20% peut-être, jusqu'à 90% ou 80% en dessous de l'eau. De même, la culture, les comportements ont des composants visibles et invisibles de ce fait. La partie visible, c'est la culture et la façon dont nous vivons ou interagissons les uns avec les autres. La tradition, les coutumes, la nourriture, vêtements, tout ce qui est nos caractéristiques physiques, nos rituels. Tout comme une grande partie d'un iceberg reste cachée sous l'eau. Une grande partie de la culture et des comportements reste cachée, mais ne peut être ignorée. Cette partie invisible est constituée de notre système de valeurs, de nos croyances, de nos principes, les cadres de référence, de notre façon de voir le monde, les dimensions culturelles dont on vient parler, qui se trouvent ici. Tout cela est à son tour influencé quelque part par notre oignon, notre métaphore dont on vient parler, que nous avons justement vu. La formation qui est dedans, il y a l'histoire, tout ce qui est le lieu, le climat, les croyances, tout ce qui nous façonne d'une certaine manière, nos héros, mythes, légendes. Voilà. La plus grande partie se trouve sous l'eau. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment je coach l'invisible de l'autre, sachant mon invisible est invisible pour moi. Donc, notre postulat pour le 8 compétences éthiques, la grande question, elle est « we don't know what we don't know hein. », nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. C'est effectivement Edward T. Hall qui disait « la culture cache plus de choses »
qu'elle en révèle. Et il est étonnant de voir que ces secrets sont le plus mystérieux pour ceux qu'elle conditionne. Après des années d'études, je suis convaincue que le but à atteindre est la compréhension, non pas des cultures étrangères, mais bien la nôtre. Donc, une fois partagé ça, maintenant, comment développer cette ouverture à notre culture et celle de l'autre? Nous nous appuyons sur un outil qui s'appelle DMIS. Et préalable, nous avons un autre sondage pour vous. Voyons voir. Pour bien coacher, tout ce qu'il me faut, c'est faire preuve de bienveillance et adopter une posture d'ouverture. Vrai ou faux? Et je passe la main à Yotis. Tout à fait. Donc, alors, le deuxième sondage de la soirée, pour bien coacher, tout ce qu'il me faut, c'est faire preuve de bienveillance et adopter une posture d'ouverture. Vrai, faux. Et je peux vous dire que les synergiens sont très rapides ce soir. Nous sommes déjà à plus de 60%. Et il y a une réponse qui se dégage aussi. Et voici donc, après plus de 70%, voici les résultats. 60% faux et 40% vrai. Qu'en pensez-vous? Bon, un grand merci pour cette participation. Je vais dire honnêtement, c'est génial de vous raconter une petite histoire. Un de mes plus grands chocs culturels quand je suis arrivée en Amérique du Nord pendant mes études, c'était les épreuves à choix multiples. Quand c'était vrai, faux, etc. Moi, je dis comme, OK, sont où les lignes pour que j'explique? J'ai besoin d'expliquer ce que je veux dire. Donc, on a fait ça un peu avec vous et la clé, vous avez bien joué, je pense. C'était tout ce qu'il me faut. Et ça vient de cette idée de tout ce qu'il me faut, c'est la bienveillance, la posture d'ouverture. Pour nous, le tout ce qu'il me faut, ça serait une réponse de peut-être faux, parce qu'on dit tout ce qu'il me faut, non, il y a d'autres choses. Pourquoi? Parce que la bienveillance, je vais lire la définition que j'ai trouvée, la bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Donc, on est dans la volonté, on est dans l'intention. Dans l'interculturel, on est dans l'intention, mais aussi dans l'impact. On est aussi dans cette interaction, interrelation de ce qui se passe. Donc, la volonté, l'intention de bienveillance, d'ouverture et à être complétée avec un regard vers l'autre, vers soi-même, de comment on joue ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a joué avec ça. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le modèle de DMIS, dont Manuela avait commencé à vous dire ce qu'on allait parler. Le modèle DMIS de Bennett, Milton Bennett, est un sociologue américain qui habite présentement à Milan. Et il a développé justement ce modèle de développement de cette sensibilité interculturelle. Et pour ce modèle, ce qu'il propose, c'est comment nos différentes expériences prédominantes dans certains stades du modèle vont nous permettre de justement aller plus loin dans cette sensibilité interculturelle, dans nos relations avec l'autre. Et qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Manuela? C'est de vous présenter ce modèle de Bennett d'une manière plutôt ludique, plutôt interactive, qu'on a travaillé ensemble avec une autre chère collègue interculturaliste, Ghislaine Tamizier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de transmettre le modèle de Bennett, le modèle DMIS, un outil pratique, une manière de vulgariser, de jouer avec, mais tout en étant le plus fidèle possible aux idées de l'auteur. Mm-hmm. Bennett est très peu traduit vers le français, donc ça, c'était aussi une des raisons pour laquelle on était intéressés de partager ça aujourd'hui avec vous, SF Synergy, pour partager Bennett en français. Et on a travaillé comme une première partie en utilisant les définitions de l'auteur. Ghislaine, notre collègue interculturaliste, est aussi traductrice. Donc, on a travaillé par ces deux visions, ethnocentrée et vision ethno-relative, que Manuela va présenter en détail dans quelques secondes, et le 6 stades pour justement comprendre l'outil en respectant l'auteur pour booster notre propre réflexivité interculturelle de quelle est mon expérience prédominante, dans quel stade me trouve-je
toujours tenir compte qu'on parle d'un contexte, ce n'est pas quelque chose de fixe, qu'on est là et on ne bouge pas, on va revenir aussi sur ça. Et pour booster cette interaction et aussi la réflexivité des autres, soit dans un groupe, soit dans une séance individuelle de coaching. Donc ça, c'était un peu notre objectif de comment vous présenter ces visions. Donc, je laisse Manuela vous présenter les deux visions pour voir comment on peut évoluer sur cette stage. Effectivement. Merci. Donc, deux visions. La vision ethnocentrée, donc effectivement, l'individu a tendance à éviter la différence, à la diluer, voire à l'idéaliser. Donc, vraiment être centré sur soi. Et la deuxième vision, c'est ethno-relatif. L'individu accepte la différence et parfois même la recherche. Donc, c'est vraiment aller en interaction avec l'autre et être en ouverture. Du coup, les six stades que vous voyez ici devant vous sont donc divisés en deux parties. La première partie, c'est ethnocentré, c'est tout ce qui est le déni défensif et minimisation. Donc, l'individu en déni, il n'est pas en mesure de percevoir l'existence des différentes cultures ou considère que ça ne présente aucun intérêt pour lui. Ce qui est différent pour défensif, l'individu, il a une perception polarisée des groupes culturels qui ne peut s'empêcher d'évaluer. Et ensuite, la minimisation, l'individu se concentre principalement sur ce que les humains ont en commun pour avoir moins de préjugés. Donc là, la première partie, c'est vraiment être centré sur soi. On regardera encore dans les détails. Néanmoins, avant ça, voyons voir un peu la vision ethno-relative, qu'est-ce que c'est. Il y a trois stades, donc adaptation, acceptation, intégration. Donc, dans l'adaptation, l'individu est en mesure d'adopter d'autres comportements appropriés et authentiques. L'acceptation, c'est l'individu considère que les différents groupes culturels ont le même degré de complexité dans leur humanité. Et l'intégration, c'est là, l'individu tient compte du contexte culturel dans la prise de décision et ses actes répondant à un engagement éthique contextualisé. Bon, beaucoup de théories, néanmoins, voyons voir un peu qu'est-ce que ça donne en détail. Donc, ce qu'on a fait, c'est en train de jouer ça. Tu vas montrer l'image? Voilà. Il y a un extrait de notre outil InterSensus. Nous l'avons transformé du modèle DMIS. Et du coup, c'est un outil ludique quelque part, soit on peut le jouer online, comme vous voyez ici. Les post-it sur le côté sont les participants ABC, D, et voilà, vous avez alors la définition à trouver par rapport au stade. Donc du coup, c'est interactif. Là, on joue avec quatre participants. Chaque joueur prend donc une couleur et voilà, il trouve sa couleur, sa définition. Après, bien sûr, il y a un débriefing. Mais vous en doutez bien, c'est pas tout, n'est-ce pas, Jimena? Non, c'est pas tout. Enfin, jusqu'ici, c'est la manière qu'on essaie de travailler avec le DMIS, c'est vraiment d'accueillir la personne ou d'accueillir nous-mêmes où nous sommes, non? Donc, jusqu'ici, on a pris les définitions de Bennett, telles que je disais, en les traduisant vers le français ou en anglais, on les garde en anglais aussi, et c'est la compréhension du modèle, la compréhension de ces deux visions, de ces six grandes stades. Et après, on continue à avancer pour cette compréhension, pour intégrer cette compréhension, on travaille à partir des exemples, à partir des phrases. Comme par exemple, dans le déni, on dit, ben, on est tous pareils, c'est comme, OK, je ne vois pas de différence, on est tous pareils, donc ça serait une expérience prédominante de « on est dans le stade de déni ». Défensive, c'est « ben, je suis toujours fait comme ça, ça marche, c'est comme ça, on reste les choses là, on n'en parle plus, c'est défensive, on rejette d'autres manières de faire ». Minimisation, c'est « pour s'entendre avec une personne ou avec une personne de notre culture, il faut être authentique, franc, tout va bien se passer ». C'est un peu une minimisation, c'est « on minimise la différence, des fois même on les idéalise ou même on dit « ah, il n'y a rien à faire ». Quand j'ai pris ma première formation avec Milton Bennett, je ne sais pas si vous connaissez, mais il parlait d'un jeu de Disney, si vous avez eu l'occasion d'aller à Disney, qui « It's a small world ». Il disait dans ce jeu de petites poupées, toutes les poupées
sont dans son groupe et tout est beau. Mais là, quand on commence à mélanger tous les petits plateaux, les choses se complexifient un tout petit peu. Alors, par exemple, si on continue avec les phrases, l'acceptation, c'est vraiment une compréhension que les gens ont de valeurs et des comportements différents. C'est cette compréhension où on commence à dire, OK, vision ethno-relative. On ne voit pas le monde à partir de notre vision du monde. Notre métaphore, c'est la question des lunettes. On ne voit pas avec nos lunettes, mais on est capable de commencer à dire, ah, il y a d'autres lunettes à ajuster. En adaptation, ce qu'on ajuste, justement, c'est le comportement. On commence à faire des choses d'autre manière. Donc, une phrase de « pour vraiment accompagner cette personne, je vais devoir changer d'approche ». C'est une phrase qu'on reconnaît, il y a une adaptation. Et à l'intégration, on est plus dans « je suis en mesure de combler des écarts des environnements culturels qui me sont familiers ». Donc, plus dans la création des ponts. Donc, ça, c'est une manière, avec des phrases, de s'approprier un peu de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'entends quand je m'entends dire ou quand j'entends l'autre dire une phrase comme ça, quelle serait l'expérience prédominante, dans quel stade. Pour continuer, et c'est pour ça que vous voyez, on a appelé cette manière de présenter Bennett en terre sensus, en terre, on en a parlé, le entre, le mouvement, sensus, ça vient de la sensibilité, mais ça vient aussi de sens. On a pensé à jouer avec nos sens, avec nos corps, nos différents cinq sens, de dire qu'est-ce qui m'évoque chaque stade. Donc, une première proposition, c'est des tableaux que vous voyez là. Par exemple, la photo de Mapplethorpe, c'est comme fermé en soi-même. Ça représenterait, par exemple, le déni, les tableaux des barques de Nicolas de Staël. Ça serait peut-être, on le voit comme une défensive où il y a une ligne qui sépare les deux parties du tableau. Après, on peut voir dans les autres photos qu'on commence, si vous voulez, à avancer dans certaines situations. La minimisation, c'est une photo des différentes boîtes de sardines où c'est toutes des sardines, mais c'est juste la couleur qui est un peu différente, le modèle, mais c'est la même chose. On est tous pareils, comme quelque chose de semblable dans le fond. Après, acceptation, on commence à voir les différentes parties dans ce tableau de Picasso, portrait de femme au béret rouge. Et col et fourrure. Après, en adaptation, c'est une photo des couleurs qui a été prise au musée Rembrandt où, ah, OK, on prend la palette et on commence à essayer de colorier de différentes manières. Et la dernière photo, c'est Madame Kupka parmi les verticales de Kupka, où c'est un peu petit, mais il y a un visage au milieu du tableau qui est dans toutes ses couleurs et tout ça. Peu importe, ça c'est une manière de jouer, c'est juste de s'approprier à travers mon sens. Donc ça peut être ça, ça peut être aller chercher vous l'image qui vous convienne pour représenter ça, aller chercher une émotion corporelle, aller chercher un son, une musique, un goût, un odorat qui nous semble, qui peut nous aider dans aussi quand on est en train d'avoir une expérience qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose que je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a peut-être un choc culturel? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de culturel là qui m'échappe? Peut-être revenir sur soi et dire « Ah, oui, là maintenant, j'ai ce sentiment que j'ai eu quand j'ai pensé ça. Peut-être je suis dans une expérience prédominante de minimisation ou d'acceptation. Et qu'est-ce que je peux faire avec ?» C'est là l'étape suivante de dire justement quels sont les leviers pour avancer ou pour me promener dans ces stades qui propose Bennett et qu'on va vous présenter maintenant. Effectivement. Après tout ça, on aimerait bien sûr savoir quelle est la suite, comment je peux accompagner en fait l'individu. Vous voyez sur l'écran quelques suggestions de questions pour encourager la réflexion et les actions pour passer d'un stade à l'autre. Hein, les stratégies des évolutions en fait. Hein, donc du coup, qu'est-ce que j'ai besoin pour passer de déni à défensif? Là, l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui est une nouveauté, en fait, une découverte de quelque chose. Ça peut être, on a mis aussi des exemples ici. Avez-vous déjà écouté, donc on a posé des questions, avez-vous déjà écouté une nouvelle musique, quelque chose qui est différent, voilà. De sortir de la défense à la minimisation, c'est, du coup, on va dépolariser les jugements négatif, introduire des aspects positifs communs à toutes les cultures, voir les similitudes. On invite à identifier des ponts communs avec l'autre, en fait. Quelle est votre saison préférée? Quelque chose qui est, voilà, qui peut toucher chacun.
De la minimisation à l'acceptation, ça c'est se rendre compte de l'importance des différences culturelles. C'est là où on invite en fait à se pencher sur ses propres sentiments et réactions. Donc du coup, on cherche un peu qu'est-ce qui m'agace dans cette situation-là. Maintenant, dans l'acceptation à l'adaptation, c'est on encourage à l'exploration intensive et à la recherche. Bon, on invite à imaginer des bonnes raisons de se comporter ou agir différemment. Quelles raisons logiques, relationnelles peuvent pousser X à dire cela? Donc, voilà, adaptation à intégration, du coup, on invite à réfléchir à l'impact de l'immersion dans une autre culture. Quelles bonnes pratiques est-ce que la société X, elle pourra m'être utile? De quoi je peux profiter? Voilà, comment je peux voir les choses là-bas? Et ensuite, intégration, sans désintégration, c'est préciser ou définir un cadre éthique personnel, servir de médiateur culturel ou le fait de développer en fait plutôt une empathie cognitive. C'est vraiment la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui. C'est ce que nous amène à la règle de platine de Milton Bennett qui suggère que nous traitons les gens comme ils voudraient être traités afin de faire le bridging, comme nous disons dans le milieu des interculturalistes. Donc, traiter les gens comme ils voudront être traités. La clé. Voilà, du coup, Rémina, quelle sera la suite ou la conclusion de tout ça? Ce qu'on voulait vraiment partager avec vous, c'était cette idée de « et », de proposer de ce qu'on a vu avec les 8 compétences, le code d'éthique, de dire si on regardait l'interculturel, si on regardait la culture, si on le faisait pour nous-mêmes, pour avoir notre propre réflexivité augmentée en tant qu'être culturel de multiples identités, multiples cultures, ça nous aiderait aussi à regarder l'autre de nouveau comme un impératif éthique en tant que coach, de regarder l'autre. Et pour cela, le modèle qu'on a présenté, il y a quelque chose qu'on aimerait comme peut-être cadré ou recadré à la fin, de dire, comme Bennett propose ce modèle, c'est un modèle où, pas nécessairement à montrer comme tout d'un coup tout ce qu'on a fait, tout ce chemin rapide qu'on a fait de la première définition jusqu'au levier de comment on avance, c'est nous accueillir et accueillir l'autre où se trouve cette personne. Et ça dépend d'où, comment on va le faire par étapes. Parce que si la personne ne connaît même pas le modèle, on va plutôt travailler ses définitions, ses visions, ses deux différentes visions. Si la personne connaît, on peut passer plus vite à les phrases. OK, est-ce que tu recommences à reconnaître ce que je commence à reconnaître chez moi, chez l'autre? Après, on commence le jeu de sens, d'augmenter tout ça pour passer au levier, pour arriver. Et tout ça pour dire, ça bouge, ça reste pas. Si on revient à ce que Manuela avait dit quand elle a présenté la compétence interculturelle du contexte, ça bouge. Bennett, il est très spécifique sur ça, on n'est pas à un état, on n'est pas en déni, on n'est pas là et on reste dans cette petite case, après, on fait l'exercice, ouf, on saute. C'est l'expérience prédominante qu'on a face à une situation, et on peut bouger. Donc oui, c'est un modèle développemental qu'on essaye d'avancer vers l'une ou l'autre, de tout ce que Manuela vient de présenter dans l'évier de comment j'avance tranquillement. Idéalement, même si les petites flèches vertes font comme ça, si on peut avancer du déni aux minimisations, c'est pas mal, parce que défensif, des fois, ça peut avoir des situations qui dégénèrent. Donc, une fois, c'est comme dire, OK, c'est comme ça qu'on fait les choses ici, c'est comme ça, c'est une chose. Ça peut devenir un peu plus fort comme rejet de l'autre. Donc, si on peut sauter quand même, c'est pas une mauvaise idée peut-être dans notre développement, mais c'est juste de dire, OK, ça va comme ça, mais ça peut aller dans l'autre sens. Et c'est ça ce qui est important pour accueillir l'autre où cette personne se trouve, c'est de dire que, oui, de déni, c'est ça ce que je disais, on peut essayer de sauter leur minimisation parce que la peur peut nous mener à la défensive. OK, on ne voit pas les différences, mais tout d'un coup, on les voit et ça nous fait peur. Donc, pouf, rejet défensif. Si on a minimisation, la minimisation, c'est ce monde idéal où tous on cohabite en harmonie et ce monde idéal habite en harmonie jusqu'à la limite de la tolérance, jusqu'à la limite où ça touche nos valeurs profondes et
ça passe pas. Donc ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avoir une vision interrelative, de comprendre cette complexité de l'autre, cette complexité dans ses valeurs, dans l'iceberg qu'on a présenté, ou pouf, on va en arrière et c'est la défensive, c'est le rejet. Et après, pour l'acceptation, il y a quelques années, Bennett faisait une distinction de, une fois qu'on passe à être relative, c'est plus difficile de revenir vers la version ethnocentrée. Quand même, dernièrement, on a le dernier webinaire qu'il a fait, il parle surtout de ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui, la polarisation des discours, que même si on est dans une acceptation de cette compréhension que les gens ont des valeurs différentes et des comportements différents, on peut, cette polarisation des discours, nous faire revenir à une minimisation de « ok, je me concentre juste sur les similitudes », et après, ça peut continuer vers la défensive si la tolérance… Donc, tout ça pour dire que ça bouge, c'est dynamique tout ce qui est interculturel. Et ce qui nous fascine, Manuela et moi, c'est de justement explorer ça et de partager cette idée de règle de platine, de pour découvrir ce que l'autre a besoin, j'ai besoin de découvrir l'autre, pas juste dans son individualité, mais dans sa culture aussi, dans ses appartenances culturelles. Ça, c'est pour le modèle Bennett. Pour conclure, Manuela. Écoute, pour conclure, en tant que coach, on vous laisse avec des questions. Alors, tout d'abord, la question, quelle sera dorénavant la place de la culture dans votre travail de réflexivité? Et quels seront vos prochains pas sur ce sujet? Donc, on aimerait, je ne sais pas, Yoti, si peut-être le mot de partage sur le chat. Alors, il y a des questions, justement. Alors, Samy qui nous demande, j'aimerais entendre des exemples pratiques pour mieux comprendre chaque phase du modèle. Les exemples pratiques que nous, on propose, c'est justement à partir de cette idée d'écoute du discours de la personne, de dire ce discours de « on est tous pareils », c'est déni, ça décrit un exemple de « ok, c'est ça ». Dans le monde des entreprises, dans la défensive, on a toujours fait comme ça, c'est un exemple qu'on avait choisi, de dire dans le monde des entreprises, une entreprise qui est locale, dans le pays par exemple, qui vise l'international et essaye de dire « ah oui, non, mais c'est notre entreprise, c'est nous qu'on l'a fondée, c'est comme ça marche comme ça, vous allez voir, ça va marcher, on va vous expliquer ». Ça, c'est un exemple de défensif, par exemple. La minimisation, c'est aussi, c'est, on est une humanité partagée, on est, dans le fond, on est tous des humains, donc on n'a pas besoin de s'occuper des différences. Juste en cherchant nos similitudes, ça suffit. Chercher nos similitudes, c'est très important, par exemple, comme levier pour sortir de la défensive vers la minimisation. Mais il manque peut-être cette complexité de l'autre. Donc, ça, c'est un exemple où peut-être l'expérience prédominante est dans la minimisation. Et ainsi, successivement, c'est le comportement de comment je réagis à l'autre. C'est comme je vois l'autre. Enfin, en tous les cas, on voit l'autre comme une personne. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vois l'autre, est-ce que je le vois vraiment dans toute sa complexité? Est-ce que je vois que les similitudes? Donc, on est dans l'intimisation, par exemple. Si je commence à avoir des valeurs différentes, là, je suis en acceptation. Si je commence à changer mes comportements, à dire « ah, ça, je peux le faire autrement ». Comme j'ai une phrase de voix, une phrase de voix de dire « ah, là, je vais faire ça comme j'ai appris à faire au Brésil, par exemple. Je dis, ah, je joue ma brésilienne ici, je fais ça parce que c'est une valeur, un comportement, une manière de faire que j'ai appris là. Je ne sais pas si ça répond, Manuela, tu as d'autres idées pour des exemples ou... Non, mais je pense que tu l'as bien fait, effectivement. C'est ce qu'on trouve en entreprise, effectivement. Le regard qu'on porte sur ne serait-ce qu'un changement, conduite de changement. À quel point je vais aller vers le changement ou à quel point je suis en défensif par rapport à ça. Quand alors, il y a Samy qui répond. Oui, merci. Ça répond à ma question. Ah, alors, on prend une dernière question donc, avant de clôturer. Il y a Sylvia qui demande, quels sont les résultats d'après votre expérience à l'exportation de ce modèle en entreprise ou dans les organisations internationales? Moi, je le pratique en coaching interculturel, effectivement, en individuel,
petit groupe aussi et en grand. Donc, ça se fait, je pense, sur crescendo, toutes sortes. Oui. Organisation internationale, je ne peux pas parler, je n'ai pas d'expérience, mais aussi j'ai beaucoup d'expérience à l'utiliser avec des étudiants. Moi, je dirais, pour moi, une expérience que je trouve très intéressante de voir, c'est comment ça augmente la conscience de soi, la conscience culturelle, la conscience de l'autre. Ça ouvre un regard différent. On parlait d'ouverture tantôt, c'est une ouverture à une manière différente de voir les choses, selon mon expérience. Ouais. Un grand merci, Manuela et Jimena, pour cette belle présentation pleine d'ouverture, de découverte et qui donne envie d'aller plus loin sur le sujet de l'interculturalité. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec et membre de l'ICF Québec. Bonsoir ou plutôt bonjour Nathalie, comment ça s'est passé ce soir? Ça s'est très bien passé. On a encore quelques questions. Je ne sais pas si on a le temps. Y a-t-il, entre autres, une question de Jean qui nous demande, est-ce qu'on peut, il comprend que Bennett a 6 stades, mais est-ce qu'il y a un stade qui pourrait être comme plus négatif encore que le déni? Est-ce qu'on peut être plus bas, plus négatif que le déni? J'ai une chose là. Oui. Bon, première chose, à ma connaissance, de la part de Bennett, non. Bennett, il commence son modèle avec le déni. Bennett ne parle pas de stade négatif ou positif. C'est vraiment une expérience prédominante d'un stade ou l'autre. Il y a une raison pour laquelle on est là. Il y a un contexte. Donc, le déni, personnellement, c'est... J'ai fait un effort des fois, j'avoue, mais on a une tendance à avoir le modèle de dire « Ah, ça, c'est négatif, ça, il faut le surmonter. » Mais il y a des raisons, il y a des moments où on a besoin de ça, on a besoin de la minimisation. À un moment, il y a... Donc, à ma connaissance, pour répondre concrètement à la question, il n'y en a rien avant le déni, ni rien après l'intégration dans le modèle de Bennett pur. Il y a certaines adaptations avec le modèle de certains auteurs ou dans certaines... outils qu'on pourrait en parler pour d'autres webinaires, mais je veux dire, pour Bennett Pur, c'est ça, et c'est cette idée d'expérience prédominante, il y a une raison, c'est la prise de conscience et qu'est-ce qu'on fait avec. C'est pas tellement négatif nécessairement, ça peut avoir une bonne raison pour être là, parce que c'est pas le bon moment, parce que je suis pas prête. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de questions et de réactions, on n'a plus le temps de les prendre, mais si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile au développement de votre pratique en tant que coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout. Quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite clochette. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Manuela et Jimena, je vous donne le mot de la fin. Alors, moi, je commencerai par dire, venez, écrivez-nous. On a hâte de parler avec vous et de continuer à créer des ponts entre l'interculturel et le coaching. On veut vraiment continuer cette conversation avec vous. Et un grand merci à ICF Synergie. Effectivement. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir, aux Synergiens. Et à toi, Yotis, pour cette possibilité de prôner l'interculturel au pro des coachs. Et je dirais à très vite. À très vite. À très vite.
À très vite.